Alors, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Alors, je sais, hein, vous pensez, oh, bah, si elle a rien à dire, elle ferait mieux de se taire. Eh ben, je regrette, ce serait trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh ben, non. Moi, lorsque j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, si vous n'avez rien à dire, eh ben, on en parle et on en discute. Ben alors vous me direz, oui, si on parle pour ne rien dire, de quoi on va parler? Eh bien, de rien. On va parler de rien. Non mais attendez, excusez-moi, mais rien, ça n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Par exemple, rien moins rien égale moins que rien. Et si on peut trouver moins que rien, c'est que rien, ça vaut déjà quelque chose. Par exemple, on peut acheter quelque chose avec rien. Mais si, en le multipliant. Par exemple, une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ça n'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, eh ben pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, ben rien multiplié par rien égale rien, d'accord? Mais trois multiplié par trois égale neuf. Donc, ça fait rien de neuf. Et comme c'est rien de neuf, je trouve que c'est pas la peine d'en parler. Et là, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse, et je devrais pas, parce que distraite comme je suis, moi, chaque fois que j'ouvre une parenthèse, j'oublie de la refermer. Mais je suis pas la seule, hein. Vous savez ce qui est arrivé au ministre de... Vous savez, le ministre, là, mais si, mais vous le connaissez, celui qui promet tout le temps plein de trucs, le ministre qui fait des... Vous voyez qui je veux dire? Ouais, et ben, pendant un discours électoral, il a décidé de faire quelques promesses, alors il a ouvert une parenthèse pour promettre certaines choses, et comme à un moment il a jugé qu'il avait fait assez de promesses, il a voulu fermer la parenthèse. Et là, impossible. Impossible de fermer la parenthèse. Alors il a continué de promettre, et là il promet toujours. Aux dernières nouvelles, il promettrait même une récompense à celui qui arriverait à fermer sa parenthèse. C'est pour ça que moi je trouve qu'il faut parler d'autre chose. Et j'aimerais qu'on parle là, maintenant, tous ensemble, de la situation actuelle. Alors si vous permettez, je vais le faire très brièvement, l'historique de la situation actuelle. Il y a quelques mois, vous vous souvenez, que la situation... pour n'être pas pire qu'aujourd'hui, elle n'en était pas meilleure non plus. Déjà à l'époque, on disait on va vers la catastrophe. On le savait, on en était conscient. À l'époque, on pensait que la catastrophe était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que la catastrophe est toujours pour demain. Alors je vous pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce qu'en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire aujourd'hui, le jour même, est-ce que c'est comme ça qu'on va l'éviter? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en occupe. Fin de la parenthèse.